Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Total War Warhammer 2 et on continue notre bataille. La picote, hein? Pareil, elle a plus de tir. Kilian. On se fait un petit duel. Alors t'as de la vie mais t'as pas de morale. Hein. Il faut être plus motivé que ça. Allez, on est parti, on accélère un peu. On va laisser tourner un petit peu là maintenant au centre. Ils ont plus de vie. Peu importe qui je tape, peu importe qui tire. Voilà. Excuse-moi, il est bon, hein. T'as encore réussi à t'en échapper. Mais les bons, c'est la plus chiante parce qu'elle a attaqué clair. Du coup, mes groupes de deux, elle est susceptible de les défoncer. Là, elle l'a pas fait. On a réussi à tenir en 1 contre 1. Et ça, c'est bon signe, d'autant plus que on va l'affaiblir. Elle va plus pouvoir refaire ses troupes. Moi, j'ai peur des nains. J'ai tellement peur des nains qui nous attendent. On n'a même pas fait la moitié. Bon, évidemment, on va avoir de plus en plus de troupes. On va continuer à snowball financièrement, essayer de stabiliser tout ça et surtout de récupérer. C'est il est bon ça? Non, ça c'est Killian. Très bien. Par contre, vous, si vous le souhaitez. J'apprécierais fortement que l'un de vous vienne prendre cette ville. Voilà. That is not warranted. The sea brings death, blood and plunder. Est-ce que vous êtes tous les deux dehors? Those fools. We are becalmed. Ok, bon. I am Est-ce que the t'es pirate fatigué? Ah ouais, king. t'es fatigué. Du coup, tu t'en fais un petit de plus ou pas? Non, tu peux pas. Keep up now. Du coup, c'est parti. On a juste complètement disperser leurs forces. Par contre, ici on a un Malekith et là on a Morati, donc ils sont quand même quatre là-haut. Admiral of the fleet, plotting a course. At last we will feast. Il va reculer. Fair wind. On va se mettre là. Et tu peux dire au revoir à ta première arche. À partir de là, il faudra aller chercher la deuxième arche, puis on a encore deux héros qui sont dans le coin. Première arche, deuxième arche. Mais les deux héros, on ira voir un peu plus tard parce que d'abord on a ça à stabiliser.
Et comme vous pouvez le constater, ça ne va pas stabiliser beaucoup. Ça n'empêchera pas de péter, hein. Ok. L'isthme de Lustrie, on pourrait considérer que ça se passe bien. Tyrannoc, évidemment. C'est compliqué. Pic des Titans. Waouh, beaucoup de sous en plus. On a pas assez ici. Bon, on va attendre. Rébellion imminente. Terre d'Elgol. Fidèle Montfort. On a décidé que tu ferais quoi? Bah pour l'instant rien en fait, on n'a pas encore décidé. On va essayer de faire à toi de toi un guerrier, on a vu que ça marchait bien. 41, donc bah j'ai été encore un peu loin. C'est très gentil de ta part. Donc on va continuer à être non, d'autant plus que celle-là je suis obligé de la faire. On n'a pas beaucoup de vie. Et ça, c'est des chars archers. Le truc, c'est que le reste, c'est massivement des affrelances. On va pouvoir décimer les affrelances. Le problème, c'est qu'il faut que je décime les chars archers plutôt avec mes sorts. Ce qui sera plus dur. Ok, toi. Très bon. Allez. Tu fais non. Allez, go go go. Très bon, très très bon. Les chars archers. Go. Est-ce qu'ils ont beaucoup de flèches? Pas beaucoup, ils s'usent vite. Donc je suis relativement confiant. Ils tirent, ils me font rien. Faut juste les laisser tirer. T'as rien fait ça.
Ils m'ont fait un peu de dégâts. Moi, 2700, c'est bon. Ils sont trop mobiles. Faut juste tenir bon là. Quand ils ont plus de flèches, ils servent plus à rien. Raté un bout. Bon, je baisse doucement, mais là. Y a quelqu'un qui vous remet des flèches ou quoi là? Allez, allez. Deux mille cent. Non mais ils ont les flèches infinies là, c'est pas possible. Voilà, c'est bon, il fonce lui. Ok, lui il tire. Ils sont plus que 3 à tirer. Allez, ils sont plus que 2 à tirer. C'est la fin. Bon bah je vais faire un épisode d'une heure parce que là 50 minutes ça fait vraiment trop. Si je fais des épisodes 50 minutes, vous aurez fini la série en 2 secondes. Et puis je trouve que ça fait trop long les épisodes de 50 minutes. 40, j'aime bien. 40, c'est bien, mais dès qu'on dépasse les 45. Bon. Bah, s'il me rattaque encore, je vais quand même plus avoir beaucoup de vie. Nagaron apparaît toujours aussi fort. Un truc complètement fou. Je sais pas d'où ça sort. D'où, pourquoi, comment ils apparaissent aussi fort. Je veux dire, on a détruit 10 troupes complètes là.
aïe. Bon, ici. J'aurais dû le faire avant. Du coup, on va faire demi-tour. Et on reviendra plus tard. Là, hop. Ici. Voilà. Toi. Your will. March, you dead curs. The galleon awaits. Voilà. Il t'en a recon. Attends, il y en a combien des trucs là? T'as pas repris de vie? Admiral of the fleet. All bones on deck. Et Adley, il a complètement disparu là? Fight them. The last is upon me. Let's fight. Viens là-bas. Protège-toi. Mets-toi là pour te protéger encore plus. Toi, recule aussi. Toc. 1, 2. Voilà, tu vas te refaire. Toi, tu es en pleine forme. Pour autant, on se précipite pas, on reste sur place. Pourquoi il est rouge comme ça, lui? Donc ici, on a Malikit. On n'en voit plus que deux. Plus large ici. Ok. On continue d'augmenter tout ce qu'on peut. Adley, tu continues à être dégourdi avec ça. Et on n'a plus d'argent, donc on va passer à la suite. Dark Elves. Alors comment je fais quand je tourne un épisode et qu'il est trop long et que je veux le couper en deux? Et ben vous entendez deux fois la même intro et deux fois la même conclusion. Mais bon, c'est juste la petite phrase de fin, de toute façon c'est toujours la même. Hein. Alors là pour le coup, vous changez un, puis l'intro, moi ça fait un peu bizarre. Mais des fois c'est juste le salut Slan et puis bon, on le sent qu'il y a une petite coupure. Hein. Mais bon, moi je suis souvent pris dans le jeu. Encore plus quand je tourne tout à la suite comme ça, puisque ça fait 40 épisodes que je tourne à la suite sans rien tourner d'autre. Et encore, j'ai déjà des idées d'autres let's play sur Total War Warhammer 2. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de vues. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Très bien, alors. Luthor. C'est pas la question. C'est pas ta folie. Arrête de parler de ta folie. Mais je te parle pas de ça, moi. Allez, où vient là? Tu sors de l'autre côté. Rest now. March later. Tranquille, hein. L'autre là-bas, il est en train d'attendre, donc il n'y a rien de spécial à faire. Toujours pas 19, non 13, tu t'en rapproches quand même. Où est-ce qu'on a des gens?
Pour l'instant, on n'a personne sur nos terres. Hein. Voilà. Du coup, ils sont pas contents. Mais ils le sont suffisamment. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est aller reprendre la mer. Undead raiders. Ah, on pouvait faire celui d'à côté. On va le faire. Bon, et bien là, a priori. Ouais, je sais, on reste là. Ok. Voilà. Il reste encore des sous. Beaucoup de sous. Ouais, par contre, non. On n'a pas assez pour ça. Putain, tu peux le détruire. Bones. Tout le monde prend la faim. C'est un prérequis. 350. Et bon, on va s'arrêter là pour ce tour. On va en faire un petit dernier. Ah, je vois Nagaron qui commence à faiblir. Alors, on a souvent vu faiblir, mais là on sait qu'il est faible. Je veux dire, on ne voit plus personne. Il n'est pas sur notre territoire. Il n'a qu'un héros qui tourne à côté de notre territoire, mais qui n'ose pas rentrer dedans. On a une arche qui est un peu isolée, perdue et qui attend de venir se faire pique-niquer. Et on a à côté une belle reprise en main qui démarre sur le vortex. Reprise en main qui, je pense, ne sera pas complète. Tôt ou tard, ils vont se faire contre-attaquer et on va devoir partager à nouveau le vortex avec quelqu'un d'autre. L'avantage cette fois, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir cette personne sur notre territoire. Non, Gagaron, on va pas faire la paix. Je vais la proposer aux autres, par contre. J'ai hâte de venir vous manger les petites crottes. Ouais, je sais que dit comme ça fait pas super sympa, mais bon. Donc l'idée pour moi, c'est que lui, il fasse le tour là. Une ville par tour, il remonte. Et que les deux autres viennent tenir ici pendant que lui tient tout ça. Et je ferai une troupe ici. Qui va tenir la ville, en fait, on va dire. Qui va remonter parallèlement à Luthor pour essayer d'empêcher que quelqu'un passe de l'autre côté. Une troupe de base, quoi. Yes, master. Tu te déplaces sacrément pas vite. Hein. Fair wind. Ah,
c'est pas toi qui as le truc. Setting sail. Hop. Celui-là, faut le monter. Bon, bah, Burkle. On va faire une tentative ici. Je veux pas clamser pour ça, mais bon. J'encercle. Plein de sous, plein de sous. Et c'est déjà fini. Luthor, t'as rien à faire là-dedans? Curse my crowded psyche. Après, on va faire ça. Dis-moi, Nagaron. Comment te sens-tu? 28, tu viens de passer en dessous les 30. Si tu m'attaques pas le siège, c'est un siège, tu vas juste le perdre. Et arrête de me voler de la techno, ça fait un moment que tu es au bout de ta techno et que tu as tout fait. Et nous, on va s'arrêter là. Non, non, mais les déplacements en campagne baissés, certainement pas. Bien. Donc on a toujours notre siège là. No prey, no pay. Attaque. Désolé, mais non. Wipe them out. Et t'as raison, tu t'affaiblis que dans plusieurs tours. Horreur surnaturelle, je vais le prendre. Ténacité porte bonheur aussi. On va attendre. On va d'abord faire tout le reste pour voir. Hop là. Hop là. Et hop là. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais dit que j'arrêtais. C'est fou, hein? Je m'arrête après la bataille parce que ça a sauvegardé. Parce que si je passe un tour, c'est clair. Il dirait que je rejoue mon tour. On ne peut pas s'empêcher.
Pourquoi ça me dit qu'il gagne la bataille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai juste à me poser au centre et attendre que ça se fasse. Voilà. Oh, je l'ai raté. Pite bien. On va faire du nombre ici. Attends, c'est quoi? Ah oui, c'est un pauvre général de Légion. Hein, de... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Par contre, moi, ça occupe toujours pas le centre. Occuper le centre, comment je vais faire pour gagner? Oh les pauvres, vous avez pris cher. Et je vous dirais bien que c'est fini, mais j'en ai encore un peu en réserve. Voilà. Allez, nous, on va s'arrêter là. Et on a tenu contre Nagaron. Ça a été plus dur que ce que je pensais, mais finalement, la stratégie de monter dans le nord et de revenir après, d'abandonner Vortex, on n'a pas réussi. On n'a vraiment pas réussi à tenir Vortex avec deux armées, quoi. Voilà. Par contre, dans le nord, bah, comme ils concentraient tout sur le Vortex, dans le nord, on a réussi à tenir. Et puis, il faut avouer qu'une fois qu'on a séparé Luthor de son armée, ça soulage. Il perd aucune bataille. Donc, ça fait des batailles automatiques gagnées, y compris. Le fait que parfois on se fait attaquer 4-5 fois dans le tour et qu'on gagne 5 fois quoi. C'est sûr, ça fait un peu de nettoyage. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite.